Papillon. Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flash de midi 20 du vendredi 29 mars. Agnès Varda, la cinéaste pionnière de la nouvelle vague, est décédée à l'âge de 90 ans. Photographe, auteur, elle a notamment réalisé Cléo de 5 à 7 ou encore Jaco de Nantes, en hommage à son époux décédé, le réalisateur Jacques Demy. Elle a raflé pour son œuvre César, Palmacan, Oscar. Agnès Varda, c'était aussi une silhouette, une petite dame, coupe au bol, avec une bicoloration totalement improbable. Gilets jaunes, demain 20e mobilisation, des rassemblements annoncés dans plusieurs villes. À Bordeaux, rapporte Sud-Ouest, plusieurs milliers de manifestants, mais aussi des Black Blocks attendus. Le Gilet jaune, Éric Drouet, va faire appel de sa condamnation ce matin à 2000 euros d'amende pour organisation de manifestation sans autorisation préalable. Il sera jugé par ailleurs le 5 juin pour port d'armes prohibées, un bâton lors d'une manifestation le 22 décembre. Brexit aujourd'hui, c'est le jour où le Royaume-Uni devait quitter l'Union Européenne. Mais après deux échecs, la Première ministre Theresa May a retravaillé son projet de sortie. Les députés votent aujourd'hui sur un accord de retrait. Et en fonction du résultat du vote, la journée du Brexit se tiendrait le 12 avril, le 22 mai ou éventuellement au-delà. Après la taxe d'habitation, la redevance télé de 139 euros pourrait-elle sauter Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, s'y est dit favorable ce matin sur RMC au président et au premier ministre de trancher. Clash entre Marlène Schiappa et Élise Lucet. La secrétaire d'État déplore une forme de populisme des émissions Envoyé Spécial et Cache Investigation. Deux émissions d'Élise Lucet sur France 2, réponse de la journaliste sur Twitter lorsque l'émission Cache Investigation Enquête pour vous, c'est une forme de populisme, pour nous ce sont des sujets d'intérêt général, Envoyé spécial qui avait consacré un portrait sans concession de la femme politique, a souligné que l'équipe tient par-dessus tout à son indépendance. Minute Papillon, rendez-vous ce soir 18h20 pour le flash thématique.